Entre la douleur et la souffrance coule l'encre d'une plume mélancolique, mélancolique pour elle, salie, salie sur cette terre des hommes en quête d'un avenir moins sombre. Entre le bonheur et l'espérance coulent les larmes de cette jeune fille qui, à la fleur de l'âge, a jeté l'encre loin du village qu'il a vu naître en quête d'un mieux-être. Entre le regard de la société et ses rêves à elle, elle avait un choix à faire, marquer une trêve et sortir de cet enfer. Faire sourire son père, cultivateur, éponger les larmes de sa mère, ménagère. Son père qui, sous le poids de la misère, n'a pu lui offrir son ticket pour l'école du blanc. Et à l'instar de sa sœur aînée, elle voulait s'asseoir sur le banc des jeunes mariés qui le jour des noces sont envahis de gadgets que la convention sociale a vite fait d'ériger en trésor. C'est quelques ustensiles qui la poussent à l'exil. Les faits ont vite fait de sceller son sort et au crépuscule, elle s'en est allée sur le sentier de l'Eldorado. Elles sont des milliers éparpillées sur nos routes. Elles se croisent sur le sentier de la déroute. Mais aucune image ne peut créer en elle un doute. Sans doute que pour elle, Allah sera plus clément, se dit-elle en croisant les doigts. L'Eldorado, elle y arrive. Et déjà, l'image de son monde paisible s'éclipse. Le ouïdir ont vite fait de s'estomper. Elle se sent trompée. Car contrairement à ce qu'on lui a dit, ici, les pieds de banque ne se ramassent pas à même la chaussée. Elle devra s'y faire plus vite et chausser les sandales de la vérité. Triste vie. C'est ainsi qu'elle atterrit chez une dame, celle qui a vendu son âme au diable. Grande sœur a signé le contrat qui scelle son destin, l'offrant en festin sur cette terre des hommes. Salimo. Sally est au four et au moulin, une lève tôt qui se couche tard pour satisfaire les besoins de ses maîtres qui jamais ne permettent, toujours ordonnent. Même endormie, les voix injurieuses du jour se font un bref fil en elle et résonnent. Sally, travaille, fais la lessive, vas-y, travaille, fais la vaisselle. Sally, travaille, fais la cuisine, tout le temps elle travaille, garde le bébé et fais le marché. Jour et nuit elle travaille pour un salaire misérable, 4000 francs CFA. Et à ce prix, ses projets de lendemain meilleur peuvent attendre. Ses belles parures, ce beau futur, elle ne peut plus y prétendre, car le présent est loin d'être tendre. Et son avenir à cette allure finira sous des cendres. Battu physiquement par madame, moralement par les enfants et dévêtu par monsieur, la pucelle a perdu le seul trésor qui lui restait, le seul qu'elle promettait à l'éventuel homme prêt à lui offrir famille et qui voudrait bien la prendre sous son nom. C'est sous le poids de cet esclavage des temps modernes qu'elle décide de prendre la poudre d'escampette, s'enfuir loin de cette tempête. Et en elle, une requête, que plus jamais cela ne se répète. C'est sous le coup d'une accusation de vol que Sally fut renvoyée par ses bourreaux. Le bon prétexte était partagé. Pour eux, c'était le meilleur motif de se débarrasser d'elle et ses nombreux mois d'arriéré de salaire. Et pour elle, l'occasion d'en finir avec cette galère. Sally fidèle à ses ambitions repart pour d'autres quêtes d'emploi. Mais face à elle, c'est toujours le même film qui se déploie. C'est à se demander si ces gens de la ville ne se sont pas passé le mot, à savoir soutirer le plus de larmes à cette fillette en quête de mieux-être. Eh bien, je crois qu'ils ont réussi. Traumatisme physique et psychologique. De surcroît, une grossesse de 3 mois sans le probable père se perd dans une liste exhaustive de violeurs qui la rejettent. C'est alors qu'elle retourne au village, approchée par tant de souffrances, espérant le réconfort des siens qui la rejettent.
C'est sous le regard approbateur de la société que Sally a rendu l'âme en essayant la force.